On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour savoir, comme vous l'avez vu dans la vidéo courte juste avant, comment lancer des boules de feu avec une tourelle automatique. Voici le terrain que vous avez vu. Voilà. Pour ça, vous aurez besoin d'un bloc de commande. Et c'est tout. Donc c'est très simple. Donc c'est une commande encore une fois. Voilà. Donc la commande que voici. Donc slash summon. Il va faire apparaître une fireball. Donc la fireball. La fireball, c'est ça. Fire charge. Il va le faire apparaître ici. Donc ces données, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je les ai trouvés en fait. Voilà. Donc voilà, il va apparaître, je crois, c'est juste au-dessus. Eh ben, vous pouvez faire apparaître où vous voulez. Voilà, ça c'est les données X, Y, Z et la direction. Donc ça, c'est la. Donc ça, c'est une sorte de customisation que vous pouvez mettre avec tous les objets. Donc si vous allez tirer à droite, ça va aller à droite, position 0, 0, 0, 0. Si par exemple je mets un 2 à la fin, voilà. Là, ça va partir tout seul. Là on voit pas très bien, mais en fait, voilà, il est avancé de quelques blocs. Normalement si je l'avais pas fait avancer, il aurait avancé même pas d'un bloc. Donc je crois que c'est les données X, Y, Z encore une fois. Voilà, je mets 5 par exemple. Là, je pense qu'il va monter de 5. Voilà, il monte. Voilà. Voilà, ça c'est la direction. Si vous voulez pas qu'il bouge et vous tirez à la main, vous faites 0, 0, 0. Après, vous pouvez faire des canons spéciaux qui lancent. Je sais pas, vous faites un système compliqué, quand j'appuie sur cette manette, ça va tirer à droite ou à gauche. Bref. Voilà, on peut faire des toiles stylées. Dans multijoueur, je sais pas, une sorte de PVP, voilà. Et bien, vous faites ça. Voilà. On sait pas trop de dégâts, mais ça expulse le joueur. On va recommencer qu'un un creeper, par exemple. Je prends mon truc. Voilà, ça l'a fait exploser. Aussi, il y a d'autres moyens de faire ça. Si vous marchez dessus. Après, vous voyez que vous pouvez plus mettre de blocs. Là, je vois plus. Normalement, vous voyez un carré noir. Vous pouvez aller où vous voulez. Par exemple, je vais aller là-bas. Voilà. Je suis très loin du bloc. Alors là ça marche. Là, ça marche dans une autre limitée. Ça marche que dans une zone limitée. Genre 5 blocs. Vous êtes dans une zone de 5 blocs, vous tirez et ça tirait pile l'endroit où vous voulez. La précision. Désolé pour la musique. Voilà. Voilà. Donc si vous restez dans un rayon de 5 blocs autour de l'endroit où est la boule de feu, vous pouvez tirer. Voilà, donc ça marche. Ça marche très bien. Et ça fait des bruits d'explosion, c'est marrant. C'est même beaucoup plus ça, je crois. Voilà. Donc là, je sais pas si ça explose des blocs parce que j'ai pas essayé, j'ai pas en...
J'ai eu des problèmes avec les commandes il n'y a pas très longtemps, donc je sais plus trop. Donc voilà. La commande est dans la description si vous voulez la voir. Plusieurs personnes avaient fait ça, mais sauf que la boule a bougé. Une personne, je m'en souviens, l'avait faite il y a longtemps, j'ai vu cette vidéo. Elle la faisait, mais la boule de feu, en fait, elle partait dans une direction comme ça. Et après, il fallait la suivre, il fallait tirer. Et moi, je me suis dit, alors pourquoi on met pas tout à zéro? Et alors, j'ai mis tout à zéro. Et ça m'a tout mis normalement. Donc voilà. C'était Virex pour un tuto comment lancer des boules de feu.